Mesdames, Messieurs, chers amis du Service historique de la Défense, chers donateurs, vous savez que depuis plusieurs années, le Service historique a pris l'habitude d'organiser une soirée des donateurs qui nous permet de remercier tous ceux qui, par leurs dons, ont enrichi nos collections et nos fonds. Malheureusement, la crise sanitaire nous a obligés depuis 2019 et encore en 2020 et cette année en 2021 à modifier nos habitudes et à organiser finalement une soirée virtuelle pour remercier nos donateurs. Et donc c'est à cette soirée virtuelle que je vous convie maintenant qui vous permettra aussi bien de découvrir la diversité des dons de cette année que de voir ceux qui, au sein des équipes, en assureront la conservation et la valorisation par la suite. Vous verrez là encore la diversité de vos apports, puisque vos dons ont si bien permis d'enrichir les archives privées, que ce soit avec des papiers de famille, des papiers personnels, mais aussi des papiers par exemple d'amicales et d'associations. La bibliothèque également a reçu aussi bien des fascicules que parfois des collections entières. Et quant à la symbolique militaire, ce sont des pièces rares, parfois même totalement uniques, qui sont rentrées dans nos collections grâce à vos apports. Enfin, une dernière forme de don, un peu différente mais complémentaire, est constituée par les témoignages oraux qui permettent à civils comme militaires d'apporter leur contribution à l'écriture de l'histoire du ministère et des armées. Finalement, derrière tous ces dons, c'est une vie, une famille, un parcours, un destin qu'on va retrouver. Votre action et vos dons permettent de mélanger et de mêler harmonieusement recherche personnelle, recherche de type national, d'appréhender aussi bien les histoires et les parcours individuels que notre histoire nationale et finalement d'écrire cette mémoire individuelle, familiale et collective qui est aussi l'histoire de France. Et donc ce soir et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous inviter à découvrir les coulisses du service historique et à vous remercier une fois encore pour vos dons.